Bonjour. Who's French speaking here? Ourselves. Should we do all French? Yes. Yay! We'll take advantage of that possibility, but for those who are more English speaking. So we're going to keep that format presentation. So there's keynotes that will appear to give you some resume about what's going to be said. So my name is Marianne Dubé. I'm from Canada, French accent, you can hear. I'm with my colleague Claude Potvin, so we'll do that presentation together. On y va comme ça. So, la fabrique réelle, orientation et gouvernance. Aujourd'hui, je suis petite, hein, je ne vois pas tout le monde, mais donc la fabrique réelle, c'est une initiative québécoise inter-établissement. C'est pas rattaché à un établissement. Je trouve ça très intéressant aujourd'hui d'entendre les présentations de différents types de gouvernance au niveau des établissements. C'est très, très parlant pour nous. Ça nous indique que certaines voies qu'on a commencé à explorer sont intéressantes, donc nous allons continuer de les développer, alors qu'il y a d'autres voies qu'on avait pensées ou que c'était sur notre table de travail. On dit, OK, là, faut vraiment qu'on avance dans ces voies-là parce que ça va devenir une priorité rapidement. Alors, au niveau de la fabrique réelle, ça a commencé en 2019, donc c'est un projet inter-établissement, trois universités, puis c'est vraiment un modèle bottom-up. Donc, c'est trois directions de services pédagogiques universitaires. Il y a l'Université de Sherbrooke, l'Université de Montréal, l'Université Laval, qui avaient des atomes crochus. Donc, pour eux, l'éducation supérieure, ce n'est pas une compétition, c'est une collaboration. Bien sûr, c'est des services, hein, ce n'est pas des programmes, donc ils n'ont pas à se... Ils n'ont pas à se confronter pour avoir des inscriptions au niveau des étudiants. Puis, ils ont soumis un projet à l'éducation, au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Donc, c'était un projet autour de la création de REL, mais sous forme de consortium universitaire. Donc, vous voyez là à l'écran, c'est qui? Bon, la fabrique REL, ça, en 2019, il y avait les trois premiers établissements fondateurs. Puis, à cela, bien, la gouvernance, ça s'est élargie et ça continue de s'élargir. Maintenant aussi, on va chercher des établissements qui sont au niveau collégial. Donc, le désir de mutualisation qui est à la base de ce projet-là, c'était très simple, c'était de partager des valeurs au niveau d'un bien public. Là, vous les connaissez, le contenu, la bonification en continu des ressources, avoir une meilleure qualité de ressources pédagogiques à un coût beaucoup plus intéressant. L'un des paris qu'on faisait aussi, c'était de, si on dégage du temps de création de ressources d'un enseignant, mais ça permet à un enseignant de reprendre ce temps-là puis de le donner au niveau de la rétroaction ou de l'encadrement aux personnes étudiantes. Donc, l'idée, c'est tout simplement de reprendre le temps de ces personnes-là puis de le mettre à un endroit différent au niveau de l'offre pédagogique. Les objectifs de la fabrique, bon, vous pourrez les voir là, en entier sur le site de la fabrique réelle, mais en gros, bon, faire connaître, faire la promotion du libre, pédagogie ouverte, mais surtout accompagner les enseignants dans la création de REL. Et le présentateur juste avant moi l'a bien mentionné, un enseignant, c'est un enseignant, il ne veut pas être éditeur, c'est vraiment une personne qui est reconnue dans son domaine, mais qui a aussi le désir de le partager. Donc, c'est important de l'accompagner au niveau pédagogique, mais aussi au niveau de tout ce qui est les licences et les dépôts, les métadonnées. Donc, ça arrive au troisième point, développer l'expertise du personnel professionnel, donc conseiller pédagogique, CP, ou ingénieur pédagogique, là, selon le pays d'où vous venez, et bibliothécaire. Donc, on travaille beaucoup en collaboration. On vise vraiment la mutualisation des expertises dans nos établissements affiliés au niveau du personnel pédagogique qui vont aller soutenir, en fait, les personnes enseignantes. La fabrique réelle, bon, là, comme on est en mode, on n'est pas en mode présentation, il n'y a pas d'animation, donc vous voyez tout ça apparaître, ce qui n'est pas pédagogique, mais donc la fabrique réelle, en fait, dans l'offre d'accompagnement, il y a un accompagnement à deux niveaux, au niveau financier et au niveau méthodologique. Donc ça, c'est les conseils pédagogiques et bibliothécaires qui accompagnent. Donc, notre activité clé, c'est un appel à projet qui est ouvert à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, qu'ils soient affiliés ou non à la fabrique réelle.
Parce que peu importe, on a tous un besoin quelque part, que ce soit une REL en biologie d'un établissement non affilié à la Fabrique REL, bien, il sera utile aux établissements affiliés à la Fabrique REL à un moment ou à un autre. Donc, avec ces appels à projets-là, une bourse est octroyée pour soit payer des étudiants un dégagement de tâches et aussi l'accompagnement au niveau pédagogique bibliothécaire. L'extrême à l'autre bout, donc 8 à 10 mois plus tard, on a une REL disciplinaire, souvent disponible, et aussi une REL pédagogique. Je vous donne un exemple. On a eu un projet de création de balado pour développer un projet de balado, pardon, le développement de compétences liées au savoir-être, je vais le résumer comme ça. Et un deuxième extrait, donc tout le matériel pédagogique qui avait été utilisé à la création de balado a été réutilisé et diffusé. Donc, c'est un guide pour faire la co-création de balado. Donc, on a, oui, des REL disciplinaires, mais des REL pédagogiques. Comment développer du matériel pédagogique en ressources éducatives libres. Un deuxième extrait, c'est les méta-REL, donc des ressources qui parlent des REL, donc comment comprendre ce que c'est, comment créer, en chercher, en utiliser, comment déposer dans les dépôts universitaires ou autres sites accessibles. Et finalement, un troisième extrait qui n'est pas visible, hein, ça vous ne les verrez pas sur le site de la Fabrique REL, mais c'est vraiment la mutualisation des expertises à l'intérieur des établissements. Et tout ça, bien, il y a une gouvernance, donc à chaque établissement qui a reçu une bourse pour un appel à projet, bien, cet établissement-là est invité à joindre la Fabrique REL. Donc, tranquillement, la Fabrique REL va grossir. C'est un peu sous le modèle de l'expérientiel. Donc, ils ont vécu une expérience, ça fait des gens à l'intérieur d'un établissement qui devient porte-parole, porteur aussi des valeurs du libre et qui peut contaminer positivement donc, son établissement. C'est pour ça qu'il est invité aussi à joindre la gouvernance de la Fabrique REL. Bon, une structure organisationnelle a été mise en place pré-standard, le comité d'orientation, comité de gestion, direction, coordination. Il y a l'équipe aussi avec Claude, le conseiller pédagogique bibliothécaire. Et on garde l'assemblée des personnes contributrices. C'est important pour nous de considérer la voix des personnes qui ont créé des REL, que ce soit des personnes enseignantes ou étudiantes. Parlant des étudiants, ils ont aussi des chaises allouées. Comité d'orientation, il y a deux chaises pour les représentants étudiants, là, les associations étudiantes. Donc, c'est important pour nous de les avoir dans la Fabrique REL. Là, je retourne en 2019. Là, je sais, ici, il y a des gens, c'est vraiment des leaders au niveau de leurs établissements ou même au niveau de leur pays sur l'éducation ouverte. Bien, au Québec, en 2019, quand le projet de Fabrique REL a été soumis au ministère, bien, je vais vous dire qu'on était loin derrière nos confrères là, au niveau British Columbia ou Ontario. On était vraiment très, très loin, même au niveau de l'Alberta aussi. Donc, je vous donne des chiffres, mais je préfère laisser le temps à Claude par rapport à par la suite. Mais on avait fait une étude de besoin à l'intérieur de 5 établissements universitaires. On a eu 535 répondants. Puis vous voyez les bandes en jaune. En fait, c'est des gens qui considéraient leur niveau de compréhension faible à inexistant sur la recherche de REL. Donc, ils ne savaient pas où chercher des REL. Ça, c'est un frein à en utiliser. 80% considéraient leur niveau faible ou inexistant par rapport à l'adaptation d'une REL. Ils ne savaient pas comment la manipuler, comment la trouver. Par rapport aux licences aussi, 72% considéraient leur niveau très faible, inexistant, et par rapport à les sélectionner en fonction d'un besoin pédagogique. Donc, c'est sûr qu'à la lumière d'un constat comme ça, bien, il a fallu, on a dressé des profils donc dans nos établissements, mais on savait qu'on avait beaucoup d'éducation à faire. C'est sûr que personne ne peut être contre le libre, là, c'est très rare, on ne peut pas être contre la vertu, mais c'est quand même un cheminement. Tu sais, quand ça vient le temps de prendre une décision sur la licence à utiliser, ben, faut prendre le temps de bien expliquer, puis souvent les gens vont prendre une licence plus restrictive, puis ensuite, bon, selon les expériences, vont évoluer. Donc, c'est prendre ce temps-là pour faire la promotion. Au niveau des besoins et des ressources nécessaires pour créer des ressources éducatives libres, surtout le schéma qui est à droite,
On voit, ça ressort très haut, le besoin d'aide pour la recherche de REL, d'aide au design pédagogique, ça c'est la quatrième bande, aide pour le dépôt en ligne. Donc vraiment sur toutes les sphères d'une chaîne de production ou d'utilisation d'une REL, on avait beaucoup de travail, on a encore beaucoup de travail à faire au niveau du soutien là, à nos organisations à ce niveau-là. Alors, Claude, si tu veux prendre le relais. Absolument. Désolé, Marianne, j'étais à étudier une vieille technologie. Là, on n'utilise plus ça maintenant, mais ça me rappelle quand je joue avec mon chat encore, hein, avec les petits pointeurs. Alors, voilà, je pense que ça marche. Alors, je vous parle des réalisations. En fait, Marianne était là depuis le début de la Fabrique REL en 2019. Et ça fait 4 ans, tout ça. Alors, l'an 1, ben, ça a commencé. Marianne nous en a un petit peu parlé. Les 3 établissements partenaires, bien sûr. Le site web qui a été créé, on a fait une enquête terrain, on vient de vous montrer un petit peu les résultats pour voir dans quoi ça consistait, les résultats, ce qui nous a permis de démarrer, de jeter les bases, la définition, la terminologie, ça a l'air de rien, mais on est en français, on est au Québec, on est en contexte particulier, il fallait déterminer une terminologie qui soit propre à nous, avec laquelle on serait à l'aise. Ensuite, la constitution de l'équipe fondatrice, si on veut, bibliothécaire, conseiller pédagogique, ingénieur pédagogique, comme on le disait tout à l'heure, on avait 3 établissements partenaires. Il y a eu, différents modèles au début. Il y avait 3 conseillers pédagogiques, 3 bibliothécaires qui ont donné du temps partiel, c'était prêté, etc. Ça a changé un petit peu depuis. On a quand même eu 19 REL disciplinaires la première année déjà. C'était un petit peu informel. La deuxième année, on arrive avec un schéma de métadonnées. Là. Ça apparaît un petit peu avec un petit filtre, parce qu'on avait prévu une animation, mais finalement, on a décidé, parce qu'on a rajouté l'anglais, de changer un peu de stratégie. Alors, schéma de métadonnées qui est important, évidemment, pour la diffusion à la fin, ça s'est fait avec des bibliothécaires, des institutions partenaires. C'était l'année de la pandémie. Hein. Donc, la pandémie a eu une espèce de crise. Évidemment, nos activités, ça a changé un petit peu la prévision. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mutualisé les ressources qui étaient déjà développées dans les différents établissements pour la formation à distance. Parce que tout le monde se demandait, vous l'avez tous vécu, comment on enseigne à distance, comment on apprend à distance, comment on utilise tel outil, etc. Il y avait déjà des ressources dans nos différents établissements. On les a mutualisées, on en a fait des REL, on les a partagées. Voilà une première utilité à la Fabrique. Beaucoup de REL qui ont été disponibles à ce moment-là. Ouais, il y en a eu jusqu'en 130. C'est quand même un volume assez intéressant. Nombre de téléchargements, on commençait à avoir des statistiques de téléchargements. Au Québec, c'est quand même pas une province énorme. Là, on est rendu à 8 millions, c'est bien ça maintenant. Troisième année, 5 établissements partenaires, donc 2 établissements supplémentaires. C'était la première année où on a fait un appel à projet sérieux, véritablement. Alors, 5 établissements partenaires, on a eu 9 REL disciplinaires qui ont été finalisés finalement à la fin de cette année-là. Des méta-REL qui ont été qu'on a continué de développer, c'est-à-dire comment développer des REL. On a présenté d'ailleurs, peut-être que vous avez l'occasion d'assister, une trousse, j'ai une image tout à l'heure qui vous montre ça, d'outils qui sont téléchargeables par vous d'ailleurs, qui sont réutilisables, qui sont remodifiables, qui nous aident à faire des REL dans notre parcours à nous. Un sondage qu'on a fait aussi auprès justement des personnes responsables des projets pour savoir comment tout ça a été. Et finalement, la quatrième année, ben, on est dans cette année-là. On a 12 projets. L'appel à projets, c'est récent. Notre jury a fait son travail, choisi 12 projets. On est en train d'amorcer nos projets. On a changé notre méthodologie. Cette année, on vise les manuels scolaires et les notes de cours. Et puis, on a constitué nos binômes, c'est-à-dire les équipes bibliothécaires, conseillers pédagogiques. On a une dizaine d'établissements cette année, Mariana, je crois, au total. On a des collèges et des universités cette année. On appelle des collèges et des cégeps, collèges d'enseignement général et professionnel au Québec, c'est un petit peu particulier. Et finalement, on a un potentiel de 11 établissements partenaires. On ne sait pas si tout le monde va adhérer, c'est à voir. Alors, on s'élargit, graduellement, vous voyez, notre volume d'activité, le nombre de partenaires dans l'organisation, c'est en croissance, nos activités. Alors, notre activité clé, c'est l'accompagnement dans la création de REL. Oui, on veut bien développer des REL, mais notre objectif principal, c'est d'amener la culture des REL dans nos différents établissements au Québec d'enseignement supérieur. Alors, c'est vraiment notre objectif. C'est pour ça que cette année, on a changé de tactique. On s'est dit, on va encadrer nos équipes, nos binômes, c'est-à-dire nos conseillers pédagogiques et nos bibliothécaires.
pour leur enseigner comment ça fonctionne, le développement de réels. Parce qu'après le concours de cette année, bien, peut-être qu'ils vont vouloir continuer de faire des réels dans leur établissement. Alors, c'est comme ça qu'on pense que ça va continuer de croître, la culture des réels dans nos établissements. Alors, ça, c'est notre processus. Vous voyez, un processus de type un petit peu ADI avec l'analyse de besoins, la recherche de réels. C'est une étape qui a été, disons, sur laquelle on appuie particulièrement pour créer des réels. La conception pédagogique, on fait souvent avec un sprint, d'accord. Le développement, évidemment. La validation, pour nous, c'est très important de vérifier si tout est OK sur le plan contenu, au niveau du design pédagogique, au niveau des normes, un ensemble de normes qu'on a constituées là, pour déterminer si tout est beau, faire tester par les étudiants, par les enseignants, etc. Et finalement, la diffusion, le dépôt. Oui, j'ai vu. Alors, voici deux exemples. On a parlé de physique tout à l'heure. Relativité générale, c'était ça la première année. Ils sont en 11 volumes, un truc de 1200 pages, je crois. Ce sont deux manuels ici, méthode quantitative en sciences sociales. Bon, c'est des exemples de manuels, mais on a d'autres types de ressources qui ont été développées aussi. Marianne en a parlé tout à l'heure, de balado. On a toutes sortes de trucs qui ont été développés. Sondage de satisfaction par rapport à l'expérience de l'équipe de projet de l'année dernière. Évidemment, c'est à peu près tout positif, là. Les porteurs de projets ont satisfait de leur expérience, sont satisfaits de la ressource qu'ils ont produite. Il y en a qui ont travaillé très fort, là, quand même. On n'a pas eu une année très, très longue pour le faire. Les budgets sont arrivés un petit peu tardivement et tout. Ça me donne le goût de continuer à créer des ressources. Et puis, je veux continuer d'en faire la promotion. Oui, donc c'est intéressant. Piste d'amélioration, ce qui est ressorti, c'est que ils voulaient peut-être un parcours d'accompagnement qui soit un peu plus personnalisé parce que notre modèle est un peu linéaire, un peu standard. On a appliqué ça de façon un petit peu linéaire la première année. Et cette année, bien, on essaie vraiment de personnaliser en fonction des équipes locales, donc de soutenir plutôt les équipes, conserver leur culture, les amener à développer leur équipe de travail à l'interne. Et nous, on supervise davantage en deuxième ligne. Et puis, pour ce qui est des constats, écoutez, il y a un grand intérêt envers les réels, c'est clair. On le sent, on le perçoit dans nos établissements. Les gens veulent savoir de quoi il s'agit, sont contents de s'impliquer. Il y a une faible quantité de réels francophones. C'est vrai au Québec, c'est vrai en France aussi. On essaie d'en trouver, on veut en développer. Il y a peu de réutilisation un petit peu à cause de ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de réels disponibles en français. Il y en a en anglais, bien sûr, mais il faut les traduire. C'est une étape de plus pour nous. Il y a très peu de recherche sur les réels en francophonie. Cette partie-là, nous, on a développé un petit peu à la base. On n'a pas trouvé beaucoup, beaucoup de résultats de recherche, de données probantes sur la question. Donc, on part vraiment du début. Et la question du dépôt des réels au Québec, c'est encore un problème. Ça l'est moins dans certaines provinces comme l'Ontario et la Colombie-Britannique, mais au Québec, on n'a pas encore de site de dépôt officiel pour les réels. Alors ça, il faut trouver des façons dans nos différentes universités adaptent leur site de dépôt pour ce faire. Et les licences, c'est quand même un petit peu compliqué à comprendre pour tout le monde. C'est un bon défi, on trouve différents trucs, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. Alors, le futur, continue de développer des REL, bien sûr. On continue de développer des projets de REL disciplinaires, c'est vraiment vers ça qu'on s'en va. Renforcer les liens avec nos établissements, nos bibliothèques, mais aussi nos équipes de conseillers pédagogiques dans nos universités et nos collèges. Et finalement, on élargit la fabrique graduellement en ajoutant des membres à des collaborations au Québec, mais un petit peu aussi à l'étranger, là, dans des colloques comme ici. On fait des liens, on fait des ponts avec d'autres organisations. Alors, voilà. Merci beaucoup.